Il y en a deux, comme dans tous les systèmes qu'on appelle bicamérisme, bicamériste, bicaméro, bicam ta mère, j'en sais rien, enfin voilà. Pourquoi les textes de loi sont toujours aussi compliqués à comprendre ? C'est une bonne question. Les textes de loi sont écrits dans un langage juridique. Un texte de loi, c'est un énoncé qui a vocation à produire des effets de droit. Le truc, c'est que pour que ton énoncé produise effectivement les effets que tu avais prévus, anticipés et que tu souhaites, tu as intérêt à être le plus précis possible. Plus tu laisses de flou, plus tu laisses de place à l'interprétation. Ça peut être l'interprétation du juge, ça peut aussi être l'interprétation des citoyens, des justiciables, etc. Donc, le droit utilise effectivement un langage complexe et surtout un langage jargonneux pour la simple et bonne raison qu'il faut être précis dans ce qu'on dit. T'as déjà écrit un contrat, t'as déjà signé un contrat, t'as déjà écrit des statuts d'une association, ça a dû t'arriver de voir ce... En fait, tu te rends compte quand c'est à toi de l'écrire que... Attends, on va être précis parce que sinon ça va être le bordel. Donc du coup, tu écris le plus précisément possible, tu trouves des mots... Par exemple, en matière fiscale, c'est le meilleur exemple. En matière fiscale, faut être méga précis, sinon c'est trop facile. Ça permet aux gens de pas payer l'impôt en disant « Ah ben non, dans la loi, vous avez écrit ça, mais moi c'est pas un salaire, hein, c'est un revenu. » Vous voyez tout ça ? Bah, faut être précis. C'est quoi le rôle du Sénat ? Quel exemple concret de leur rôle ? Le Sénat, c'est la deuxième chambre du Parlement. Le Parlement est composé de deux chambres, comme dans tous les systèmes qu'on appelle bicamérisme, bicamériste, bicaméro, bicam ta mère, j'en sais rien, enfin voilà. Le bicaméralisme, c'est le principe d'avoir deux chambres dans le Parlement. L'ensemble du Parlement, en tant que Parlement, a un certain nombre de missions, ce qui veut dire que l'Assemblée nationale et le Sénat ont les mêmes rôles, en fait. Quels sont les rôles de l'Assemblée nationale et du Sénat ? Il y en a trois. Faire, écrire, discuter, débattre et voter la loi. Contrôler l'action du gouvernement et évaluer les politiques publiques. Le Sénat a le même pouvoir, a le même rôle institutionnel que l'Assemblée nationale. Il travaille avec l'Assemblée nationale dans ses trois missions. En indépendance, les deux sont indépendants l'un de l'autre. Le Sénat n'est pas composé de la même manière que l'Assemblée nationale puisque les sénateurs sont les élus des élus locaux. C'est pour ça qu'on dit qu'ils représentent les territoires. Et il y a une petite subtilité politique qui est importante à comprendre avec le Sénat, c'est que le gouvernement n'est pas responsable devant le Sénat. Cette phrase, elle veut rien dire pour quelqu'un qui s'y connaît pas trop en droit constitutionnel, mais en fait, ça a toute son importance. Un gouvernement responsable devant une chambre, ça veut dire que le gouvernement dépend de la bonne volonté de cette chambre pour continuer à exercer. Le gouvernement doit avoir la majorité à l'Assemblée nationale. Il est responsable devant l'Assemblée nationale, il doit donc avoir une majorité de députés qui lèvent la main pour voter pour le travail du gouvernement. Mais ce n'est pas le cas au Sénat. Le Sénat ne peut pas renverser un gouvernement en votant contre lui, en disant « bah non, nous on n'est pas content du gouvernement, on veut le renvoyer ». Bah oui, bah désolé, mais en fait, vous n'avez pas ce pouvoir-là. Et du coup, ça change un petit peu la donne. Parce que ça veut dire que le gouvernement peut très bien être minoritaire au Sénat. Le gouvernement n'a pas besoin d'une majorité de sénateurs pour le soutenir, il peut se contenter d'une majorité de députés. Et donc les sénateurs, dans leur travail législatif, dans leur travail de contrôle de l'action du gouvernement, savent très très bien qu'ils ne peuvent pas mettre en minorité le gouvernement. Donc ils se donnent eux-mêmes un rôle d'accompagnement et d'amélioration de la loi écrite par l'Assemblée nationale. Donc ce qu'on appelle la navette parlementaire, c'est le fait que les textes de loi sont discutés entre les deux chambres qui font des allers-retours. C'est ça qu'on appelle la navette. Et donc quand ça arrive devant le Sénat peut amender la loi, la modifier, voter de nouveaux articles, en supprimer certains, rajouter des mots, rajouter des phrases, des virgules, etc. Mais ils savent très bien qu'au bout du bout du bout du bout du bout, c'est toujours l'Assemblée nationale qui aura le dernier mot. Donc le Sénat n'a aucun pouvoir d'entrave. Le Sénat n'a aucun pouvoir d'entrave, à quelques exceptions près, sur certains types de lois particulières, les lois qui touchent aux collectivités territoriales, les lois constitutionnelles et deux, trois autres subtilités, mais dans l'absolu et en général, non, effectivement, le Sénat n'a pas le pouvoir d'entraver et d'empêcher le gouvernement de travailler. C'est pas pour autant que le Sénat est inutile. On peut discuter d'un point de vue philosophique de savoir est-ce que c'est mieux de se passer d'une chambre qui représente les territoires pour en discuter politiquement. Et d'autre part, le Sénat s'enorgueillit toujours de rappeler que lorsqu'il vote des amendements dans la loi et qu'il fait des allers-retours avec l'Assemblée nationale accepte très souvent les amendements du Sénat. Le Sénat fait un vrai travail, d'ailleurs ils s'enorgueillissent beaucoup de ça, les sénateurs, de faire un travail d'amélioration de la loi en réécrivant des textes écrits par les députés. Typiquement, il y a des sénateurs, ils disent franchement les députés ils écrivent la loi n'importe comment, on reçoit des textes qui sont écrits mais vraiment à la schlag, ça veut rien dire, c'est flou, c'est imprécis, ça crée des effets de bord, etc. Donc nous on prend le texte, on le réécrit en vachement mieux, on le renvoie, les députés ils regardent ça, ils font Ouais, c'est vrai, c'est mieux. Ouais, on va le garder comme ça. Non, mais c'est vrai, c'est mieux écrit, c'est vrai. Donc le Sénat a un rôle de proposition, il ne peut pas être bloquant, il peut très rarement être bloquant, et donc en sachant très bien qu'il peut pas bloquer, bah, il peut quand même proposer, suggérer, argumenter, et puis souvent ça passe. Est-ce que l'Assemblée pourrait ne pas jouer le jeu et ne jamais accepter ce qui vient du Sénat ? Elle pourrait tout à fait faire ça. Le rôle du Sénat, c'est améliorer la loi sans changer son orientation politique de fond. Alors ils essayent quand même, hein, évidemment. La majorité du Sénat, à l'heure actuelle, par exemple, est une majorité d'opposition au gouvernement, donc ils essayent, hein, ils votent des textes alternatifs, ils votent des budgets alternatifs, ils votent des trucs, etc. Et dans ce travail d'échange, il y a aussi une obligation de la part du gouvernement de venir devant le Sénat pour justifier ses choix, la manière dont la loi a été écrite et votée par la majorité qui les soutient à l'Assemblée. Et donc ce travail didactique, de débat politique, est aussi utile. Les sénateurs se servent de leur pouvoir d'examen des textes de la majorité à l'Assemblée pour poser des questions, y compris des questions qui gênent, des questions qui fâchent, etc. Les sénateurs sénatrices sont plus technocrates au vu des rôles que tu décris. Non, pas forcément. Moi j'ai fait des interviews de sénateurs, j'en ai interviewé plus de 70 depuis 4 ans.
sénateurs sont issus des collectivités locales, sont des élus locaux, les sénateurs, pas forcément des meilleurs technocrates. Le Sénat a-t-il toujours été plus de droite ? Oui, le Sénat a toujours été plutôt de droite, compte tenu du mode d'élection et de la représentativité territoriale. Il y a une surreprésentation des territoires ruraux au Sénat qui ont plutôt tendance à voter à droite, et donc on a une majorité de droite au Sénat. Il y a eu une exception au Sénat où il y a eu une majorité de gauche au Sénat pendant quelques années. Ça a été une grande surprise, mais c'était entre 2010 et 2014, je crois, un truc comme ça. C'était 2011-2014. Donc il y avait une majorité de gauche au Sénat, ça n'a pas duré longtemps. Le fait que le Sénat ne puisse pas contrecarrer la volonté définitive de l'Assemblée nationale, le fait que le Sénat soit à droite n'a jamais empêché des gouvernements de gauche de mener des politiques de gauche. Le Sénat n'a pas pu s'opposer au mariage pour tous, le Sénat n'a pas pu s'opposer aux 35 heures, à la CMU, le Sénat ne peut pas s'opposer à ce qu'il y a eu. Dès lors qu'il y a une majorité de députés, au bout du bout du bout, c'est bien eux qui peuvent mettre en place une politique. Je peux expliquer les différences entre Conseil de l'Europe, Commission et Parlement ? Je capte rien. On va faire très simple. L'Union européenne, c'est une institution internationale entre les pays membres de l'Union européenne, dont le travail s'organise autour de trois organisations internationales différentes qui bossent ensemble. Ok ? La Commission, le Conseil et le Parlement. La Commission européenne, c'est la gardienne des traités, c'est l'organisation internationale qui défend et représente l'intérêt de l'ensemble de l'Union européenne en tant qu'Union européenne. Elle est composée de commissaires européens et chaque pays membre a un commissaire européen, ce qui ne veut pas dire que le commissaire européen représente le pays en question, c'est juste qu'il y a au moins une nationalité représentée par pays, et ensuite ils se répartissent entre eux un peu comme un gouvernement selon des thématiques. Il y en a un qui s'occupe de la pêche, il y en a un qui s'occupe de la concurrence, il y en a un qui s'occupe du marché, bref. C'est ça la Commission européenne. La Commission européenne, elle a le monopole de l'initiative des législations, et donc elle va travailler en lien avec les deux autres organisations qui sont autrement importantes, puisque ce sont elles qui vont décider. La Commission européenne ne peut pas décider en elle-même, à l'exception d'ordre réglementaire, interne, etc. Mais les deux autres organisations, c'est elles qui vont décider. Les deux autres organisations, il y en a une, c'est un parlement qui est aussi simple à comprendre qu'un parlement national. C'est un principe de parlement, il y a des députés dedans, il y a des commissions, il y a des groupes, ils s'engueulent, ils discutent, ils négocient, ils parlent, machin, ils votent des trucs. La deuxième organisation, ce n'est pas un Sénat, il n'y a pas de Sénat au niveau européen. Il y a ce qu'on appelle le Conseil des ministres de l'Union européenne. C'est ça que la France préside actuellement. Hein. Et le Conseil des ministres représente les gouvernements de chacun des États membres et travaille en lien du coup avec le Parlement pour se mettre d'accord sur des législations. Le poids des pays dans l'Assemblée européenne, c'est par rapport à quoi ? Au PIB, aux habitants ? Non, c'est uniquement aux habitants. Chaque pays envoie des parlementaires européens au Parlement. La quantité de députés qui sont envoyés dépend de la population par état. C'est quoi l'intérêt concret d'un groupe à l'Assemblée ? Je ne comprends toujours pas. L'Assemblée nationale, c'est 577 représentants du peuple qui doivent bosser pour essayer de se mettre d'accord. Pour essayer de rationaliser et d'organiser un peu ce merdier, on fout pas 577 personnes dans une grande pièce en disant démerdez-vous. En fait, les députés, depuis maintenant plusieurs décennies, voire même plusieurs siècles, ont trouvé un mode de travail qui leur convient et qui permettent de rationaliser un peu le travail et d'être efficace. Il y a une double méthode qui est utilisée par les députés pour organiser leur travail. La première méthode, c'est celle des groupes politiques, et la deuxième méthode, c'est celle des commissions de travail. Les groupes politiques, c'est simple. Imagine que tu fous 577 députés de toute la France et de camps politiques différents dans une grande pièce. T'imagines le brouhaha, c'est le bordel, etc. Déjà, le premier truc pour commencer à s'organiser, c'est qu'ils vont se regrouper physiquement par députés qui pensent à peu près de la même manière. Et ils vont s'organiser entre groupes de députés pour se coordonner, pour dire déjà qui va parler en notre nom là. Ça dit Michel. Bon, ok, Michel, t'es notre représentant, donc c'est toi qui vas parler en notre nom à tous, à nous le groupe. Au lieu d'avoir 577 interlocuteurs, t'en as 7 ou 8 qui représentent chacun un groupe. Déjà, c'est vachement plus pratique. Et donc du coup, chacun des groupes politiques va servir à coordonner le travail entre collègues qui défendent le même sens politique, à peu près. Et donc ils vont s'organiser ensemble et ils vont se déléguer le travail mutuellement. Michel, toi tu vas plutôt t'occuper des questions fiscales, c'est ton truc. Toi Gérard, est-ce que ça te va si tu t'occupes de l'agriculture? Et toi les sujets scolaires, et toi les sujets défense, etc. Donc ensemble, ils se coordonnent, ils se mettent d'accord, ils disent ouais, en fonction de leurs envies et tout machin. Et le deuxième avantage des groupes, c'est que institutionnellement et opérationnellement, l'Assemblée nationale reconnaît les groupes en tant qu'organisation politique membre de l'Assemblée nationale et leur donne des moyens, leur donne du pouvoir et des moyens. Un groupe, en tant que groupe, a la possibilité de recruter des collaborateurs de groupe. C'est con, mais c'est vachement pratique, des collaborateurs. Par ailleurs, les groupes ont aussi des moyens politiques. Et ça, c'est important. C'est pas juste des réservations de salles, un groupe. C'est aussi la possibilité, je vous l'ai montré tout à l'heure, d'avoir une niche parlementaire. Tout groupe a le droit à au moins une niche parlementaire au sein du calendrier de l'année. Chaque groupe est représenté à la conférence des présidents de l'Assemblée nationale. Conférence de présidents, c'est pas compliqué, on prend les présidents de tous les groupes, on les fout dans une salle et ils décident collégialement de certains trucs divers et variés. Je vais pas rentrer dans le détail. Les groupes ont la possibilité d'avoir du temps de parole dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale. Bah ouais, mais c'est con, mais on est quand même là pour ça. Donc en tant que groupe, le représentant du groupe peut lever la main et dire moi, au nom de mon groupe, je voudrais dire un truc. Et le président de la séance et à l'obligation de lui donner la parole pour qu'il prenne la parole au nom de son groupe. Quand on fait des débats dans lesquels il se succède à la tribune de l'Assemblée nationale, les députés, ils envoient le représentant du groupe parler au nom du groupe. Avoir un groupe, c'est vachement utile et efficace. Deuxième technique, on a organisé ce qu'on appelle des commissions permanentes, donc des travaux de commission. Imaginez 577 députés qui se réunissent dans une grande salle, dans un hémicycle, ils s'assoient tous et tout machin, et ils commencent à discuter politique. Et là, ils commencent à parler ensemble de
agriculture, tiens, la sécheresse. Alors ils se mettent comme ça, et puis ils commencent à parler, ils commencent à s'engueuler, ils se donnent la parole les uns les autres, ça dure une plombe, etc. Et en fait, au fur et à mesure que le débat avance, on se rend compte que c'est toujours un peu les mêmes députés de chacun des groupes, hein, mais c'est toujours un peu les mêmes députés qui prennent la parole. Bah, c'est normal, c'est les députés qui sont spécialisés des questions agriculture, c'est des députés qui sont eux-mêmes agriculteurs, et du coup, bah, c'est eux qui vont en parler le plus. Les autres députés, pendant ce temps-là, ils les écoutent poliment, ça les intéresse le sujet, mais ils sont en mode, moi je suis désolé, moi c'est plutôt les sujets fiscaux, mes sujets à moi. Un tel, il s'occupe plutôt des sujets scolaires, bon. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on décide collectivement qu'on va créer un groupe de travail en leur disant, on vous propose un truc, chers collègues, vous allez vous réunir dans une pièce à côté, vous allez continuer vos débats, vous allez continuer votre travail et vous allez venir nous rendre compte. Et donc au sein d'une commission, un groupe de travail, c'est ni plus ni moins qu'une mini assemblée nationale dans laquelle on va représenter le même équilibre politique que dans l'hémicycle, hein, évidemment. Et du coup on va faire ça pour plein de thématiques. Il y a la commission des finances qui s'occupe des finances publiques, des impôts, tout ça machin. Il y a la commission des lois qui va s'occuper de tout ce qui est ministère de l'intérieur, sécurité, mais aussi organisation des pouvoirs publics et tout. Commission des affaires culturelles qui va s'occuper culture, éducation et tout. Commission des affaires sociales qui va s'occuper de la santé, de la solidarité, du handicap, de l'autonomie, etc. machin. Commission de la défense, qui va s'occuper des sujets de défense. Commission. Bref, vous voyez ce que je veux dire. Chacune des commissions va avoir des pouvoirs en tant que commission. Donc elle a un président qui est élu parmi ses membres, et chacune des commissions va pouvoir examiner prioritairement les projets de loi qui lui sont soumis par le gouvernement. On n'envoie pas directement le texte du gouvernement dans l'hémicycle pour commencer à s'engueuler. Non, on va commencer par faire un pré-travail en groupe de travail, plus simple pour tout le monde. On lit le texte, on commence déjà à l'amender, donc à le modifier et tout. Et ensuite seulement, une fois qu'on a déjà revu le Google Doc, on le passe à la suite. Et c'est beaucoup plus pratique pour tout le monde. Pareil pour les missions de contrôle. Les commissions, en tant que commissions, peuvent auditionner des ministres, des hauts fonctionnaires, des machins. Les commissions peuvent se donner le pouvoir de commission d'enquête. Les commissions peuvent commander des rapports. Les commissions peuvent... voilà. Du coup, vous avez compris, groupe politique, commission, c'est quand même les deux méthodes, les deux bases d'organisation du travail de l'Assemblée, ce qui permet à 577 personnes, mine de rien, de commencer à bosser. Du coup, l'écrasante majorité des députés sont membres d'un groupe politique. Ils sont pas obligés. Ce n'est pas une obligation du tout, les groupes politiques. Hein. C'est volontaire, c'est si le député le veut. Et si ses collègues du groupe le veulent aussi. En fait, c'est littéralement une association. Hein. Tous les députés sont membres d'au moins d'une commission. Comme ça, vous le saurez la prochaine fois que vous croisez un député sur la place du marché. Si vous voulez vous la péter un peu, vous allez voir, il fait t'es dans quelle commission toi ? Voilà. C'est quoi une proportionnelle intégrale ? Grosso merdo, c'est assez simple. Tu fais comme la présidentielle. Tu fais une élection partout sur le territoire avec une liste de candidats par parti politique. Et les partis politiques ont un nombre de sièges à l'Assemblée nationale qui correspond à la proportion des voix qu'ils ont obtenues à cette élection. C'est ça la proportionnelle. Ça, c'est le principe. Ensuite, t'as d'autres manières de faire la proportionnelle. Tu peux faire des listes régionales, comme ce qu'on avait par exemple pour les élections européennes par le passé. Tu peux faire des listes départementales, tu peux avoir des listes en forçant ce qu'on a par exemple aux élections régionales où tu forces la parité par exemple. Tout ça pour dire qu'il existe des méthodes de correctif qui permettent d'essayer d'éviter les aspects qui sont jugés mauvais à l'instant T d'un mode de représentation plutôt qu'un autre. Donc finalement, si tu fais la proportionnelle législative, tu auras peut-être moins d'élus très ancrés dans des circos. Ça dépend, encore une fois, ça dépend si tu fais des correctifs en disant par exemple que les partis ont l'obligation de présenter des listes avec des candidats qui viennent de tous les territoires, etc. Mais en même temps, si tu laisses les partis libres de choisir la liste des territoires, bah ils mettront le territoire de l'Allier en dernier et Paris en premier, tu vois. Donc tu te retrouves à la fin avec une assemblée nationale dans laquelle bah t'as à peu près les deux tiers qui sont des citadins et t'as personne qui vient de l'Allier. C'est un exemple que je te donne, mais c'est un peu le risque quoi. Le principe demandé par beaucoup de la proportionnelle rendrait le scrutin définitivement national. C'est pas définitivement ou pas définitivement, c'est que le scrutin proportionnel a ses avantages et ses inconvénients. Il y a aucun système de vote n'est meilleur qu'un autre. Tout système de vote implique des comportements des acteurs et des résultats qui ont les avantages et leurs inconvénients. Donc tu peux essayer de limiter les désavantages au maximum. Ce qu'a essayé de faire là en l'occurrence Macron, là il avait proportionné pendant le premier quinquennat de faire une dose de proportionnelle pour finalement il a laissé tomber. Il y a clairement certains systèmes de vote meilleurs que d'autres. Ça dépend de toi. De ton point de vue, oui, peut-être.